Un drone, c'est un avion piloté à distance et non pas un avion autonome. La différence, c'est que le pilote, au lieu d'être installé dans l'appareil, est au sol dans une station de contrôle. Le drone Harfang au sein de l'armée de l'air est un drone de type MAL, c'est-à-dire que c'est un drone de moyenne altitude, longue endurance, qui permet de réaliser des missions de 24 heures, ce qui permet au drone de rester par exemple plus de 10 heures sur une zone située à 1000 km de sa base de départ. Donc depuis un peu plus de 2 ans maintenant, les drones Harfang sont déployés en Afghanistan. Nous avons actuellement 2 drones là-bas. Nous avons réalisé en plus de 2 ans plus de 400 missions pour plus de 4000 heures de vol. Ce qui nous permet de réaliser du soutien autour de la coalition. L'armée d'air possède actuellement 4 drones Harfang, dont 2 sont déployés en Afghanistan. Les 2 autres sont stationnés à Cognac, sur la base aérienne, et servent à la fois à la formation et à l'entraînement du personnel, également à réaliser des opérations intérieures, telles que la surveillance du G8 à Deauville récemment.